bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça sera une vidéo décoration, encore une fois, décoration, aménagement, puisqu'enfin, on va pouvoir s'attaquer à l'aménagement du bureau, enfin, voilà, au bureau tout simplement. Donc, ça fait un moment qu'on attendait de pouvoir commander un bureau. C'est pas vraiment un bureau, je vous en avais parlé un petit peu dans une autre vidéo, mais en gros, on voulait s'acheter deux bureaux et on n'a rien trouvé qui nous plaisait. Finalement, ce qu'on a trouvé coûtait assez cher, franchement ça coûtait quand même cher, et on a trouvé une autre solution en regardant un peu sur internet et tout ça. On va utiliser un plan de travail dès très tôt pour faire un bureau. Alors le truc, c'est qu'on a mis énormément de temps pour pouvoir commander le plan de travail, puisque ce plan de travail était tout le temps out of stock. C'est un plan de travail normalement pour les cuisines. Il y en avait d'autres couleurs, mais vraiment on voulait ce plan de travail. Je vous mettrai en barre d'informations la référence. Vous avez deux tailles, donc un qui est plus petit, et finalement on s'est dit bon, on va en prendre un peu plus grand. Et étant donné que c'est un bureau pour deux personnes, je pense que si vous faites un bureau pour une personne, le petit franchement c'est nickel, mais étant donné que on va faire un bureau pour deux personnes, donc on avait besoin de quelque chose de plus grand. Alors l'histoire des tréteaux, ça aussi ça a été toute une histoire, puisque les tréteaux étaient à chaque fois out of stock, et lorsqu'ils étaient en stock, le plan n'était pas en stock. Finalement, quand on a réussi à commander le plan de travail, impossible de trouver sur le site d'IKEA les tréteaux, puisqu'ils ont disparu. On les a remplacés par des tréteaux, vous voyez, avec des pieds métalliques. Finalement, on a quand même réussi à trouver ces tréteaux. On les a achetés en seconde main. Wouhou ! On a enfin les tréteaux et le plan de travail. Donc c'est parti, là, on va commencer tout doucement à préparer donc ce bureau, en espérant que la taille est bonne. En espérant. Normalement, on a mesuré, mais franchement, quand je l'ai reçu ce matin, je me suis dit, oulala, franchement, le plan de travail a l'air très grand. Alors, en attendant, j'ai déjà poser tout ce dont j'aurai besoin ici. Donc vous allez voir que finalement on n'a pas énormément de choses. On a deux chaises, donc il y en a une qui est ici, l'autre elle est déjà à l'intérieur. J'ai ici ce tapis que j'aime beaucoup, qui vient de chez IKEA, et c'est vraiment une vraie peau de mouton. Voilà. Donc ici j'ai un peu de décoration, des cactus, des livres, c'est des choses que j'ai envie de placer notamment dans ces blocs. Donc ces blocs ici, c'est une marque ici à Singapour qui fait ça, elle vend en fait des blocs, vous avez plein de couleurs de disponibles et vous pouvez les disposer comme vous voulez, les superposer, vous voyez ce truc là, ça permet de les mettre ensemble. J'ai ce cactus que je viens d'acheter, donc du coup ce tapis marocain, je vais le mettre dans la chambre, je pense que ça va bien le faire, ça va le faire. Voilà la bête, voilà le plan de travail. Alors le truc, c'est qu'il y en avait deux, il y avait deux tailles, puisque le bureau qu'on va faire, ça sera un bureau pour deux personnes. Donc je vous montre rapidement, ça c'est le bureau qu'on a acheté donc en seconde main. Du coup, la planche qui est ici, qui est très légère. Du coup, la planche qui est ici, elle s'en va. Normalement, la personne vient tout à l'heure. Oh. Donc il nous reste les tréteaux que nous avons déjà montés. Donc je fais passer un petit coup par terre et ensuite on s'attaque au bureau. Hop là. Je vous montre la pièce que l'on a à disposition. Donc elle n'est pas très grande, comme vous pouvez le voir, vous voyez, c'est franchement pas très grand. Thank you.
montrer ce que ça donne. Donc en gros, la pièce n'est pas si grande que ça comme vous pouvez le voir. Et on a vraiment choisi ce plan de travail parce qu'en utilisant un plan de travail de cuisine, vous gagnez en fait au niveau de la largeur. Alors, je ne sais plus c'est quoi comme type de bois, mais en tout cas c'est un bon bois. C'est vrai que ça a un coût, mais franchement je trouve que c'est du solide. Ce qui est cool aussi avec les tréteaux, c'est qu'il y a un emplacement, vous voyez ici. Donc du coup, vous pouvez mettre un panier ou quelque chose, vous voyez, là j'ai glissé un sac que je dois déballer. Je pense que par la suite, je pense que je vais rajouter une pièce, on ne va pas ajouter de commode. Je voulais une commode ici, mais finalement, vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de place. À la limite, on pourrait peut-être mettre, tu vois, des étagères, mais... Non, ça va bloquer en fait. Non, ça sera trop. Voilà, ça sera trop. Donc finalement, on va rien mettre ici. De ce côté-là, pour cacher l'affreuse prise, là, il y a plein de prises derrière. Donc on a utilisé ce rangement, franchement, qui est super beau. Il y a plein de couleurs. Mais bon, ça vient de chez il y a un magasin ici à Singapour. Mais je pense que vous pouvez trouver des choses similaires. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment, vous voyez, disposer ça comme vous voulez. Et du coup, bah, c'est pratique parce que ça prend quand même pas mal de choses, des livres et tout. Donc là, j'ai mon petit cactus. Ah, mais j'ai faim de ces trafics. En fait, mon cactus était trop petit, donc du coup, j'ai récupéré. Vous voyez, il y avait ça dans les cartons. Et alors, j'ai construit une genre de plateforme, de support pour tout simplement y mettre le cactus. Et là, du coup, ben, il est super joli. Par la suite, je pense qu'on va ajouter une seule chose. On va ajouter en fait un meuble d'ici au milieu. Donc maintenant qu'on voit mieux, je pense qu'on va essayer de trouver quelque chose dans les tons noirs. Tu vois, un meuble noir à tiroir, comme ça, ça va permettre de ranger les affaires. Pour l'instant, j'ai mis ici ce panier dans lequel il y a plein de fils, plein de prises, etc. Niveau rangement, comme je vous disais, pour l'instant, ce n'est pas une urgence. En fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas acheté le meuble. On en a repéré quelques-uns chez Ikea, mais voilà, j'avais envie de prendre mon temps, peut-être voir un peu dans les autres magasins, les autres marques. Mais du coup, pour nous dépanner, on a ici une garde-robe. Je ne suis pas fan de Dragon Ball Z, mais oui, voilà, il y a mon trophée. Toulou. Merci. Je l'ai reçu à Singapour. Je l'avais déballé. Donc j'ai ici... Oh, pardon, mais j'ai failli casser le bras de ton bonhomme. Donc du coup, ici, en fait, pour l'instant, on a ces rangements. J'utilise ça, en fait, pour ranger, voilà, tous les livres, des cahiers. Voilà, il y a un peu de tout, voilà. Là, j'ai ajouté une petite... je sais pas comment on peut appeler ça, j'ai ajouté ce petit truc ici. Du coup, ça me permet d'avoir mon trépied à chaque fois à portée de main, ainsi que mes appareils photo qui sont juste là quand j'en ai besoin. J'ai juste à tutut, voilà. Bah écoutez, je pense que on est prêt à bosser là. Franchement, je suis plutôt contente. On va filmer la réaction des filles parce que depuis tout à l'heure, elles nous demandent qu'est-ce que vous faites. Vas-y, Amania, tu peux rentrer. Tiens. C'est très 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 beau. Prenons ça faux. Ah bah tu touches à ton avis, est-ce que c'est un vrai ou un faux, Rania? Oh, c'est un faux. Oui, c'est un faux. Mariam, tadana! Qu'est-ce que t'en penses? Bah, y'a rien qui a changé? Rania, elle est très expressive. Mariam, aucune réaction. Y'a une différence, non? T'aimes bien? Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!